Bonjour à tous et à toutes, me revoilà. D'abord des petites informations me concernant. L'échographie que j'ai passée lundi n'a rien révélé. Donc il n'y a pas d'atteinte du foie, rien du tout. Bon, donc c'est bon signe. Donc tous les examens montrent que ben, y a rien, la maladie ne progresse pas, il n'y a rien, il n'y a pas de signe alarmant, sauf qu'il y a toujours cette question de fer. Bon, je revois mon médecin mi-mars. Voilà. Donc on verra bien, on va essayer de faire le point. Je fais la vidéo. J'ai hésité longtemps. Je voulais faire une vidéo sur le coronavirus, parce que tout le monde en a fait. Et c'est. Bon, j'ai regardé. Il faut, j'allais dire qu'il y a des moments où il faut en prendre et en laisser. Même si les gens sont on est dans, bon, c'est encore une histoire d'interprétation et tout ce qu'on veut. Bon, donc il faut faire extrêmement attention. Donc là, j'ai décidé, je l'ai fait, je crois que je vais le faire parce que ce matin j'ai vu sur internet, c'est le journal Ouest-France qui annonce ça, que Macron va réunir ce matin ou aujourd'hui, je pense que c'est ce matin, deux conseils extraordinaires, vu la gravité de la situation. Alors, un conseil de la défense. Donc c'est le ministre, donc le Premier ministre, le ministre de la Défense, et puis certains secrétaires d'État, je ne sais pas lesquels, mais bon. Voilà. Et ensuite, alors là, ce Conseil de la Défense, il vient avant, donc il va y avoir des décisions de prise. Et ensuite, il y a un Conseil des ministres extraordinaire, un samedi. Je suppose que c'est pour valider au niveau gouvernemental les décisions qui seront prises au niveau du Conseil de la Défense. J'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne sais pas si je l'avais dit clairement ou pas clairement, mais que je doutais de la tenue des élections municipales le 15 mars. Margot, plusieurs fois, au moins dans les trois dernières vidéos, Margot Vélasquez, doutait aussi. Maintenant, il y a un vice-président du Conseil général des Hauts-de-France, je crois, qui fait allusion à un débat au niveau du gouvernement concernant le report de ces élections. A priori, le gouvernement a l'air de dire que c'est pas vrai, mais bon. Encore une fois, faut comprendre que s'il y a une situation alarmante, on va pas crier sur les toits pour en plus dire bon voilà, alors là, il y a déjà plus de confiance dans le gouvernement vu le problème social qu'il y a en France. Alors si en plus il y a une crise sanitaire qui vient là-dessus, les dégâts ils vont être jolis. Donc je vais faire un tirage, je vais le faire devant vous, hein. Je vais le faire avec l'oracle de Béline. Je ne savais pas trop comment le faire, et je fais un tirage en croix, etc. Et puis, non, je vais le faire avec le nom du coronavirus. Alors, moi je viens de regarder sur Internet, parce on parle tout le temps là, en ce moment du coronavirus, mais on ne dit pas son nom. Alors c'est le Covid-19, c'est la dénomination. Maintenant, alors je sais le coronavirus, mais alors le D, je ne sais pas ce que ça veut dire. 19, puisqu'il est apparu dans 2019 en Chine. Donc je vais faire ça avec les lettres. Alors il faut savoir. Alors pourquoi je vais faire sur le nom? Pas bêtement. Parce que les prénoms ou les noms de qu'on donne. Derrière, il y a toute la résonance. Quoi, je vais dire la résonance. Il y a la chose qu'on désigne, qui est signifiée par le mot. Et ce mot peut refléter des choses. Voilà.
C'est pas donné au hasard, même les prénoms, c'est pas donné au hasard. Chaque nom de chose signifie la chose et ce qu'elle représente en profondeur. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire sur le nom, on verra bien. Je sais pas du tout ce que je vais avoir. J'ai un peu peur de ce que je vais avoir parce que je me dis, est-ce que ça va être. Bon, ben on verra. On verra. Je vais mettre la caméra sur le tapis. On verra bien ce que ça donne. Et puis, ben voilà quoi. Alors, je ne sais pas trop comment ce que ça va donner. J'en sais rien. Alors, pourquoi j'ai pris Béline? Ben, je pense pas parce qu'on m'a dit de prendre Béline. Puis c'est tout. Voilà. On va pas chercher plus loin. J'avais le tarot de Marseille, j'avais le tarot des dragons, Béline, il y a l'oracle des miroirs aussi, mais là c'est plus pour les personnes. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, on y va. Alors, A, B, C. Voilà. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Alors le V. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Alors je vais bouger un petit peu mon. Voilà, le I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et le D. A, B, C, et puis D. Alors 19, je vais prendre la 19e carte. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà. Et on va bien voir ce que ça va donner tout ça. J'en sais rien. Alors j'ai quand même pris mon petit livre à côté parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas tiré Béline. Alors qu'est-ce que nous va nous réserver le. Alors, avant de retourner les cartes, je vais peut-être le mettre comme ça. Ouais, ça sera mieux. Parce que moi, je n'arrive pas à centrer avec mon œil. Il y a eu un problème avec mes commentaires sur le site à Margot Velasquez. J'avais mis des commentaires sur ses anciennes vidéos, sur au moins 3 ou 4, les 3 dernières. Qui n'apparaissait pas, je lui ai mis un mot, a priori, ben, mes commentaires passaient en spam. Bon, elle a réussi à le débloquer. Bon. Donc, vous voyez bien déjà, ce que je dis, pourtant, ça n'a rien de. Bon. C'est considéré comme du spam. C'est formidable. Alors, on a la destinée. Je vais remettre mes verres de près parce que. Mes pauvres yeux. Alors, ouais, ça va mieux, je vois plus clair. Alors, la destinée, c'est la clé, elle est à l'envers. Alors, je vais les laisser à l'envers, bon, même si le tarot, le Béline, ça n'a pas trop de signification. Ah bah, encore à l'envers. Passion. Eh bah, sont tous à l'envers. Hein. Alors, feu. Renommée, non, découverte. Donc là, on a la grâce, endroit et réussite, endroit. Alors, bizarre, alors là, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment la moitié-moitié. Hein. On a l'impression que. Alors. Une clé. Réussite avec une clé à l'envers.
Donc, alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La clé. Alors, ça me fait penser à l'ADN. La clé. Alors, pourquoi la clé? La clé, c'est ce qui permet d'ouvrir ou de fermer. J'ai eu un article il y a 2 jours, 2, 3 jours, qui était documenté, mais bon, les sources avaient été, comme bizarrement dans l'article, il disait que les sources qui indiquaient avaient été effacées. Des chercheurs, je ne sais plus de quel pays, avaient séquencé l'ADN, donc la clé du virus, et on aurait retrouvé notamment dans ce virus des traces dans l'ADN, des parties qui relevaient du virus du VIH, quoi, du sida du VIH. C'est pour ça que je vous parle de clé, parce que c'est peut-être la clé du problème aussi, sans jeu de mots. C'est ce qui permet de coder le virus. Dans cet article, il disait que de toute manière, le virus du SRAS, a priori, il n'y avait aucune raison quand on découvre des séquences d'ADN du VIH dedans. Je sais plus qui a fait une vidéo ces derniers jours. Pour elle, c'est évident, il y avait une manipulation, et moi j'avais déjà dit aussi, ça ne peut être qu'une manipulation du génie génétique chinois, des essais. Voilà. Alors, le pouvoir. Alors, voilà. Le pouvoir, la manipulation pour le pouvoir. Alors, je me suis même demandé si c'était pas. Alors, si cette fameuse manu ce fameux virus du Covid-19, quoi, le coronavirus, c'était pas le fait du pouvoir chinois. Et puis, je me suis. Alors, je m'excuse, je vais revenir. Et ça, je l'ai mis dans la partie communautaire ou je sais plus quoi de la chaîne. Alors, c'est des choses que j'avais reçues le 5 ou le 6 août 2019, je ne sais plus, j'ai pas trop réussi à dater. Alors, j'avais eu Chine, crise économique et institutionnelle, probable chute du gouvernement. Alors, j'avais mis en une flèche révolution suite à Hong Kong. Parce que c'était l'époque. Alors, ça, je pense que c'était pas bon. La crise économique et institutionnelle en Chine est en train de se développer. Ils ont fait des. Là, ils se sont embarqués dans des problèmes. Je pense qu'ils ont voulu faire des essais. Alors là, c'est le feu. Alors le feu, c'est la torche qui brûle normalement, elle brûle la torche, voilà. Là, c'est à l'envers. Alors je veux dire, comme le tarot, normal, quand c'est à l'envers, c'est pas bon du tout. Là, ça brûle, ça va brûler, le feu descend, ça va brûler symboliquement ceux qui ont fomenté, si c'est vraiment ce que je pense. Ça va les brûler d'une façon ou d'une autre. Ça va les détruire. Voilà. Bon, ça, c'est le côté négatif. Alors, c'est bizarre parce qu'on a trois cartes retournées en vert. Bon. Et puis, voilà. Alors, découverte. Est-ce qu'on va découvrir. Alors, on parle de vaccins, etc. A priori, il existerait, alors au niveau des médicaments, il existerait, d'après un professeur de médecine de Marseille,
un médicament qui soigne le paludisme, je crois, et qui pourrait être efficace contre le coronavirus. Bon, j'en sais pas plus que ça. Donc, découverte de quelque, je pense que c'est la découverte de la d'un médicament, quelque chose comme ça. Bon, là on a la grâce. Donc la grâce, c'est la guérison. Donc voilà, découverte, la guérison. Et enfin, on a réussi. Donc voilà. Donc, ça va, on va réussir à détruire ce virus. Donc les cartes me. Bon, j'avais eu peur d'avoir n'importe quoi. Et bon. Ce que je voudrais bien savoir, c'est. Mais ça va être difficile. Comment je vais faire ça? Ça, c'est le. Voilà. Là, c'est vraiment le coronavirus. J'ai la réponse à ce que je voulais. Maintenant, moi, je voudrais bien me voir. Alors, je vais peut-être aller chercher mes tarots. Je vais vous abandonner 2 minutes. Je vais faire deux tirages en même temps. Ça, c'est rare. Les conséquences de ce coronavirus. Là, hein, on a bien. Il y a eu une manipulation. La clé, je veux dire, de ce qui fait qu'un virus est un virus, c'est son ADN. Et c'est la clé de la. Bon, c'est ça qui permet d'ouvrir ou de fermer certaines portes pour le virus, pour faire les dégâts qu'il y a à faire. Bon, voilà, ça c'est le côté. J'allais dire acté de la manipulation, de la. Est-ce que ça a été fait. Par moi, au départ, j'ai pensé à une manipulation politique vis-à-vis de la population chinoise. Ou une arme biologique. Mais bon, la Chine, elle n'est pas spécifiquement en conflit. Bien sûr, il y a des pays il y a des morceaux des ethnies en Chine qui sont en conflit avec le gouvernement chinois. Il y a Hong Kong. Mais alors, prendre le risque d'envoyer cette maladie, ça a dû les dépasser. Donc là, c'est vraiment le coronavirus, et là, on a ce qui va venir. Donc, découverte d'un traitement, et puis voilà, le soin et la réussite. Bon, maintenant, combien de temps ça va prendre? Dans combien de temps on va voir ça? Je vais faire ça avec quoi? Je vais aller chercher le tarot des dragons. Allez, je vous abandonne 2 minutes. C'est quand même parlant ce. Voilà. Je vais le laisser là. On va bien voir ce que ça va donner. Donc là, on a déjà une vue sur le coronavirus. C'est ce que je demandais. Hein. Faut pas. Je demandais rien d'autre. Bon. Donc encore, hein, la bonne. Maintenant, s'il y a manipulation, personne ne va, à part des chercheurs qui vont dire, ben, on suspecte une manipulation d'un virus du SRAS, d'ancien virus, et puis voilà. Personne ne va dire ouvertement, voilà, on a manipulé. Si c'est une question, si ça a été demandé par le gouvernement chinois, on sait très bien que c'est archi fermé. Et même ils démontreront, même preuve à l'appui, ils diront que c'est pas vrai. C'est une affaire interne, vous n'avez pas à vous mêler, etc., etc. On connaît la chanson, c'est pas la peine. Donc, je vais faire à la coupe, chose que je ne fais jamais. Alors, toc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pendu et l'ermite.
le pendu en vert. Alors voilà, les deux fois. Ça risque de stagner. Alors, le pendu en vert, c'est la situation, elle est bloquée. Le pendu, elle est bloquée. Il y a un mythe, c'est la personne qui, hystériquement, la seule. Je vais encore vous abandonner. Hop là, j'ai pas l'habitude de ce truc-là. C'est bizarre parce que avec le tarot de Marseille, j'y arrive. Et là, c'est vraiment notre dessin. Je sais pas s'il est heure 12. Le pendu, période d'inactivité. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, quoi. Cette période avec le virus, voilà, ça va être une période de stagnation. Combien de temps ça va durer? C'est le gros problème, c'est que je voudrais bien un petit peu savoir. Et 9, l'ermite. Alors, il y a solitude. Oh, bah, non. Oui, l'ermite, c'est la personne qui est seule, c'est évident. C'est normal. Ça va durer longtemps. C'est tout ce que je peux vous dire. Qui est-ce qui a fait une vidéo là-dessus? Je ne sais plus. Oh, et puis j'ai des trous de mémoire. Ça m'énerve, ça aussi. Je vais faire ça. Non. Que je fasse... Oh, je sais pas. J'en sais rien. Avec cette caméra, ça m'énerve. Il faut que je sois obligé de rapprocher l'écran parce que moi, je vois pas. Et puis après, c'est trop. Ça va pas. Donc. Tout ce que je peux dire, c'est que la situation va durer pendant un bon moment. Il y avait une vidéo d'une personne, je ne sais plus qui. CIA Alien, je ne sais plus quoi. Elle parlait de. Je voyais un truc jusqu'au mois de septembre, elle. À peu près. Avec des obligations de racheter chez soi, etc. Rien que la coupe, moi, j'ai l'impression que ça va durer en plusieurs phases, ce truc. J'ai eu bizarrement le rêve ce matin, quoi, que j'ai fait un peu ce matin. J'avais quelque chose qui se passait en trois phases. C'est bizarre. Il y avait quelque chose qui gonflait, qui augmentait. Alors, je ne sais pas si c'était symbolique, je pense que oui. J'avais un objet qui enflait, qui désenflait, comme ça. Alors à chaque fois, c'était encore plus important, jusqu'à exploser ou imploser ou je sais pas quoi. C'était assez étrange. Mais la dernière, ça avait l'air d'avoir fait des dégâts. Ouais, je les ai battus ou pas? Ben, je vais les battre. Je ne sais plus. Oui, je les ai battus. Oui, je les ai battus. Je vais les tirer quand même comme ça. Allez. Hop là. Alors, c'est pour ça que je voulais pas trop la faire, parce que raconter des bêtises, il y a assez de choses qui se racontent du n'importe quoi, ça va de tout à rien. Il y avait même quelqu'un, quand j'avais mis un article. La référence de l'article, je fais en croix. Hop. Je vais mettre là. On va les enlever, ceux-là. On va bien voir ça. L'article qui citait le possible. La possible trace du VIH, la personne complètement délirante.
Le VIH n'existe pas, le sida n'existe pas, et puis ça allait jusqu'à les bombes atomiques n'existent pas. Bon, faut se méfier à certaines personnes. Alors, les chaînes, mon Dieu, le diable. Donc, le coronavirus, hein, c'est bien le malin, c'était pour faire le mal. Voilà, c'est pas pour, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça, comme la grippe. C'est une manipulation. Voilà, c'est le diable. Alors ensuite, on a le monde en vert. Donc le monde va être touché. Il est malade. Il est en vert. Il est malade. Au diable. Alors ensuite, on a le chariot. Alors, je vais pas avoir plus d'explications que ça. Et on a la force renversée. Eh ben, à part le. On sait que c'est le. Le monde renversé, le monde malade. Je vais regarder encore une fois, mais bon. C'est les dragons. Donc c'est le 21. Toujours réussi pour le moment, oui, mais ça c'est quand il est en droit, donc c'est bien le monde malade, c'est bien ce que je dis, je me trompe pas. Là c'est bien le virus, une manipulation voulue, actée, j'allais dire, avec des. Faut pas me dire que le gouvernement chinois n'était pas au courant, c'est pas vrai, c'est eux qui ont demandé. Alors maintenant, est-ce que c'était une visée mondiale? Peut-être pas, mais c'est le monde qui va être touché. Alors, le chariot. Donc là, le chariot, c'est on a le choix entre deux trucs. Contrôle équilibré. Donc là, voilà. Bon, c'est la pandémie. Normalement, c'est le contrôle. Voilà. Là, il y a inversé. Tout va mal. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. Ça s'en va dans tous les sens. La force, donc là c'est la force renversée, donc c'est bien la faiblesse. Donc j'ai bien peur qu'on aille vers ce que l'OMS redoute le plus possible, c'est une crise sanitaire mondiale. Ah, je voulais pas dire ça, mais bon, j'y peux rien. Bon, il y a quand même l'espoir hein, ici. Hein. On va faire une découverte. Maintenant, dans combien de temps ça va prendre? Alors, combien de temps? On va essayer de recouvrir. Comment je vais faire? C'est pas simple hein, ce tirage-là. Je vous le dis. Je voulais pas le faire. Mais bon. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, le soleil, endroit, ça brûle. Impératrice en droit. Les cartes en droit, c'est déjà bon signe. Voilà, je crois que c'est en vert. Non, la roue de fortune en droit. Ah bon, il va y avoir du bon. La mort en vert. Bon, bizarrement, ce qu'il y avait en dessous, les premiers trucs, c'était ça. Et maintenant, on a l'impression que c'est ça. C'est ce qui correspond à la deuxième partie que j'ai tirée. L'impératrice. Alors, je ne saurais jamais. Puis j'ai des trous de mémoire en ce moment. Je vous dis pas. Moi, ça m'inquiète drôlement. Alors, il parle de bénédiction. Oui, bon. L'impératrice, c'est celle qui. C'est la sagesse, quoi. Je pense que ça, c'est en lien avec
La roue de fortune, on va avoir un retournement de situation, mais alors je ne sais toujours pas dans combien de temps. La mort. En vert, moi je vois la mort vaincue. Alors la mort en droit, ça peut être bon signe, hein, comme disait Margot, ça peut être signe de nettoyage. C'est pas forcément, elle coupe, elle nettoie. C'est pas forcément du mauvais, hein. Mais en vert, bon, j'aime pas. Ça veut dire qu'il va avoir, ça peut être un risque de pandémie, voilà. Alors, bah, ma question de savoir combien de temps ça va durer, j'ai pas de réponse. Ça m'a repris exactement, pratiquement, ce que j'avais comme tirage en haut. Bon, il va y avoir des morts, ça on le sait déjà, mais plus, alors, beaucoup plus qu'on ne le pense. Que ce soit en France ou au niveau mondial, ça va être bon. Le soleil, c'est quand même bon signe, généralement, c'est événement heureux, voilà, c'est la découverte, c'est. Alors, voilà. Le feu, c'est bah, ce que j'avais eu, hein. Découverte et la grâce, c'est ça. C'est dire la lumière. Le soleil, c'est la lumière. C'est ce qui va apporter là. On va faire des découvertes. La roue de fortune, c'est le retournement de situation du mauvais. Alors la mort, c'est est-ce que c'est la mort de la mort? La question que je suis en train de me poser. Est-ce que c'est la mise, avec toutes ces cartes positives, est-ce que c'est la fin de la mort? Je pense que je le verrai comme ça, moi. Parce que là, on avait réussite. Bon, là, sur le recou quand j'ai recouvert, c'est la seule carte qui est négative, mais c'est. Je fais le lien avec sa réussite. C'est pas la mort. Alors, il peut avoir des morts. J'ai toujours pas la réponse à ma question, combien de temps ça va durer. Mais ça, ça va, il va avoir une réussite d'éradication de ce problème. Dans combien de temps? J'en sais toujours rien. Encore une fois, hein, je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi, le problème du temps au niveau de la voyance, faut faire ça avec des. Manipuler ça avec des pincettes parce qu'on n'en sert strictement rien du tout. Voilà. Bon, voilà ce que je vais arrêter là parce que. Bon, il y a quand même, disons, un espoir de. Maintenant, la question qui reste à se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir les élections municipales? Alors, là, je ne vais pas faire de tirage. En essayant de réfléchir, parce qu'avec les deux conseils des ministres qu'il y a en ce moment, le conseil de la défense, c'est quand même bizarre. Parce que. Là, j'ai vu dans les articles, l'OMS déclare pratiquement l'état d'urgence dans le monde. Je pense que c'est pour ça qu'il y a deux conseils des ministres. Alors, est-ce qu'il va y avoir des décisions fortes concernant les élections? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà eu plusieurs, notamment à Menton, le carnaval de Menton a été purement et simplement abandonné. À cause de ce fameux coronavirus, parce que c'est juste à côté de l'Italie, un Menton. Bon, c'est toute l'Italie du Nord qui est touchée. Et en Italie, ils n'y ont pas été de main morte, ils ont fermé les écoles, les établissements, tout est fermé, hein. Des villes mises en quarantaine, un peu comme en Chine, et en France, ben, on a l'impression que rien ne se passe. C'est Tchernobyl, les radiations, elles sont arrêtées à la frontière, là, le virus, il s'est arrêté à la frontière. Maintenant, le virus, il s'est pas arrêté du tout à la frontière, loin de là, parce que même les frontières n'existent plus.
Comment faire? Je vais tirer trois cartes. Savoir ce qui va être. Je vais les mélanger. On va bien voir s'il va y avoir une décision de prise. Je veux savoir s'il va y avoir une décision de prise dans quel sens par le gouvernement. Parce que réunir deux conseils des ministres, un conseil de la défense généralement, c'est grave. À la limite du gravissime. Et un conseil des ministres, c'est que c'est pas clair du tout. Donc ils vont prendre des décisions. Lesquelles? Ça, de toute manière, les cartes, ça pourrait peut-être nous donner une idée, mais on faudra attendre. Il y aura des décisions de prise, de toute manière, ça c'est évident. Alors, on va tirer trois cartes. Une, deux et trois. Ah bah tiens, je l'ai. Alors, la justice. Ah bah tout en vert. Ah bah dis donc. Le jugement. La justice, le jugement et le mort. La justice, le jugement négatif. Oh, c'est pas bon tout ça. C'est pas bon. Et tout en vert. Alors. Je vais faire comme Margot quand elle dit que quand elle a toutes ses cartes en vert, elle les met en droit puisque ça change rien. Hop. Alors, est-ce que ça veut dire? Ma vidéo va être longue, hein, je vous dis pas. Mais j'arrête là après. Justice, je vais regarder. Je suis désolé de prendre mon bouquin, mais bon. Affaire juridique, oui, bah ça on serait pas douté. Vaincre le jugement, ça c'est une décision sans appel. Un champ, ouais. Le mot c'est. Bon, changement de direction. Que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Le gouvernement. Le gouvernement français va se retrouver devant une situation, ou se retrouve, j'allais dire, il ne va pas se retrouver, il se retrouve dans une situation où il va devoir rendre des comptes, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit la justice, le jugement ou le mot, ça, le mot, c'est changement de direction imprévu. C'est-à-dire qu'ils voulaient. J'ai l'impression qu'ils vont. Voilà. Changement de direction imprévu. Donc, ils vont être devant le fait accompli avec ce virus. Je pense que les chiffres qui nous sont donnés, ce n'est pas les chiffres exacts. Alors, je ne vais pas dire qu'ils mentent, hein, mais dire qu'ils font ça par prudence. Je pense qu'ils ont retenu la leçon de l'hiver, de la canicule, etc. Ils feront pas le même coup. Quand il y a eu la canicule et il y a eu des centaines de morts, ils feront pas le même coup. Je pense que c'est plus au niveau de la prudence qui. Bon, certains chiffres, puisqu'il y a le ministère de la Défense, c'était bizarre parce que. J'avais une discussion, je ne sais plus, il y a quelques jours avec une personne qui me téléphone tous les jours, et j'avais parlé bizarrement que je pensais que certes, dans les hôpitaux qui ont été réquisitionnés pour des centres de référence pour le coronavirus,
J'avais l'impression que des médecins militaires auraient été placés là. C'est vrai qu'une crise sanitaire, ça peut engendrer, c'est relativement grave, il ne faut pas se cacher la face, c'est grave. Ça peut engendrer tout et n'importe quoi. Les gens peuvent être complètement déboussolés, ça peut être la panique. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il y a le Conseil de la Défense. Est-ce qu'ils vont mobiliser tous les services de santé de l'armée, etc. Mais justice, jugement et le MAS, c'est bon, c'est un négatif, mais bon, encore une fois, je l'ai retourné. Il va avoir des. On va savoir. Il faut pas paniquer. J'allais dire. Ça, c'est l'explication. En fait, les 3-4, c'est l'explication des deux conseillers des ministres. Voilà. Donc, j'ai toujours pas ma réponse. Donc, le gouvernement, oui, va agir. Maintenant, dans quelle direction? J'ai pas l'impression. Je ne pense pas qu'il agisse dans le sens inverse pour contre les Français. C'est pas son intérêt du tout. Et puis, je vois pas. Je vois pas le but, c'est même si on ne tient pas avec un gouvernement, si on est contre, etc., ils ont quand même des responsabilités à tenir. Voilà. Faut quand même pas, disons, jeter tout le temps la pierre dessus, même si on les apprécie pas du tout, je suis loin de les apprécier. Mais bon, ils font quand même. Là, je pense, devant une situation telle qu'ils sont, il y a des choses qui vont être dites, des décisions qui vont être prises. La justice, ça peut être très bien pas en lien vraiment avec la justice. Hein. Ça peut être en lien avec des prises de décision, quoi. C'est des instances qui vont prendre des décisions. Là, les décisions sont prises. Le MAS, c'est un changement de situation. Donc, ils vont prendre des décisions pour combattre prendre les décisions qu'il faut. Alors, comme elles étaient à l'envers, disons que les décisions, ça sera peut-être pas tout à fait les bonnes, mais elles auront déjà le mérite d'être prises. Voilà. Voilà, je vais arrêter avec ça. Parce que ça fait déjà 42 minutes, une vidéo longue. Je réessaierai de faire. Bon, de toute manière, là, je pense qu'aujourd'hui, ce soir ou ce midi, on va avoir des nouvelles de ces deux fameux conseils des ministres, ou j'en sais rien, je sais pas, je suppose, je sais pas. Et j'essaierai de refaire une vidéo là-dessus, de mise au point, peut-être pas en partirage, mais de mise au point. Courant la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie de votre patience, de votre gentillesse, parce que quelquefois c'est pas toujours très clair. Je suis moins fatigué, mais le problème maintenant c'est les trous de mémoire et ça m'inquiète. Alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Quelquefois je perds mes mots, j'arrive pas. Bon, voilà. Je vous remercie tous et toutes de votre gentillesse, de votre patience, de vos petits mots. Voilà, ça me fait bien plaisir, ça m'encourage. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt.